le prince Andrew aimait vivre et mener la belle vie dans sa suite de chambre au palais de Buckingham. Une source a révélé au Sun la veille du 26 janvier qu'il s'agit d'un autre privilège auquel le duc d'York va devoir renoncer. Plus tôt l'année dernière, le prince Andrew, duc d'York, avait déjà dû renoncer à l'utilisation de son bureau au palais. Le prince Andrew se fait expulser du palais de Buckingham. Le frère du roi Charles III d'Angleterre a comme habitude d'y dormir avec ses peluches qui devaient être disposées dans une configuration millimétrée, sinon il piquait une crise. Le tabloïd britannique The Sun révèle également qu'après son divorce avec Sarah Ferguson, le prince Andrew, duc d'York, 62 ans, se servait de sa suite de chambre comme garçonnière. Il a ramené une série de nouvelles petites amies dans sa maison du palais, même la mannequin Caprice, révèle The Sun le 26 janvier 2023, citant une source. Une garçonnière à St James Palace n'a pas la même allure pour un homme célibataire, précise la source. Le prince Andrew a été accusé par Virginia Giuffre de multiples agressions sexuelles. Le fils de la défunte reine Elisabeth II d'Angleterre saine est sorti moyennant la somme de 12 millions de livres. Cependant, sa réputation reste entachée pour de bon, d'autant plus que le duc d'York est associé au milliardaire pédophile Epstein. Le père des princesses Béatrice, 34 ans, et Eugénie, 32 ans, est dépouillé de ses fonctions et titres en janvier de l'année dernière. Toujours cette même année, le prince Andrew a été demandé de ne plus utiliser son bureau du palais, révèle The Sun. Charles III, Buckingham n'est pas un endroit pour le prince Andrew, a fait savoir le roi d'Angleterre. Le roi Charles III d'Angleterre, 74 ans, est monté sur le trône en septembre 2022. Selon une source du média britannique, le roi a clairement fait savoir que Buckingham Palace n'est pas un endroit pour le prince Andrew. Tout d'abord, son bureau a été fermé l'année dernière et maintenant ses quartiers d'habitation, précise la source de The Sun. On apprend que le palais fait l'objet d'un projet de reconstruction de 10 ans, d'un coût de 369 millions de livres sterling. La suite d'Andrew, le Chamber Floor, est concernée par cette rénovation qui est prévue s'achever en 2027.